Nous jeudi à mercredi 20 juin 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la corde pour nous capables de voter pour la troisième sortie téléjournal pour la semaine. Si là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée. Mercredi, rapidement, mes principaux points cap, pour faire essentiel journal là pour mater pour nous faire connaître la commission justice Sénat rencontrée mardi 19 juin. Même conseil supérieur police nationale d'Haïti, conseil ces questions sécurité, en même temps, discussion si là. Ministère de la Santé publique et population lancé toujours journée mardi 19 juin un document politique laboratoire national. Document si là définit stratégie gouvernement pour améliorer système santé en dans pays. Épreuve anticipée français pour élèves nouveau secondaire 3 déroulée mardi 19 juin dans le pays. Toute disposition te prend pour faciliter bon déroulement examen si là. Mardi 19 juin, faculté sciences humaines 44 l'année depuis lui existé dans l'université l'État d'Haïti. Dans l'occasion, étudiants responsable faculté et puis rectorat université l'État organisé une série d'activités pour être capable marquer journée si là. Fait appel pour faire ceci à la troisième sortie téléjournal là, n'a pas vite été broché n'a pas donné quelques secondes tant pis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans le développement information. Séance plénière qui était en continuation entre commission justice et sécurité publique Sénat et puis conseil supérieur police nationale là t'a poursuivre mardi 19 juin côté ont abordé plusieurs points qui ont rapport avec sécurité. Président commission sénateur Jean-Renel Senatus a bail plus précision sur ensemble point qui était discuté pendant rencontre là dans micro Fédéral confident avec Moïse Ulbrich. Noté penché sous cas insécurité qui a produit dans la zone Matissan, dans la zone Bicentenaire, dans la zone Grand Ravine. Et sous point ça, il y a des décisions que nous prenons. Malheureusement, nous n'avons pas qu'à dire devant la presse puisqu'il s'agit de la sécurité intérieure du pays. Nous sommes avec eux, car qui passe Miragouane, qui suivi, qui a fait sous lit. Ça qui passe à café trio au cap qui ça fait sous trou du nord il y a une liste de 30 sujets que nous ministre justice là travaille sur yo qui c'est des cas de monde qui assassiné de actes de banditisme qui produit nous mandé rapport dans quinzaine ministre a gagné pour le rapport pour nous et nous avons gagné pour nous faire chita sous question Brissif Tiot sous ça qui t'est passé Tiot là côté 15 policiers vio en danger. Nous avons des informations que nous avons en commission, que nous confrontons avec information secrétaire d'État sécurité publique là, qui m'a donné pour nous continuer à approfondir la question ça, parce que il y a une responsabilité qui doit être fixée. Nous chita sous question arrêté 23 mai 2018 là, que moi-même dans la presse, nous avons dit c'est un arrêté qui révoqué directeur général la police là. Premier ministre là avec CSPN nous fournit nous des informations pour montrer nous que c'est dans l'esprit pour harmoniser démarche ou du moins décision qu'a prend au niveau la police là qui ont prendre si gagne faille non arrêté ya yo prêt pour yo rétracter et faire prendre les décisions qui s'imposent. L'autre information dans le journal la Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine par commission garantie a continuer travail pour capable créer conditions qui ont climat qui plus stable dans pays chef gouvernement mandé population pour pas hésiter partager ensemble information avec PNH on a prévu sur un extrait toujours dans micro Fédéral confident avec Moïse Ulbrich. C'était une rencontre on peut dire qui était très cordiale. Et comme nous connaissons une prérogative que le Sénat a gagné pour jouer un rôle de contrôle sous l'exécutif. Là. Et nous avons que depuis que nous arrivons ici, hein, c'est une qui a dit dans le gouvernement qui vient plus souvent dans le Parlement pour venir chita soit en commission, soit en assemblée avec les honorables sénateurs ou les honorables députés. Pour nous capables de parler de fonctionnement de l'État. Eh bien, comme président de la commission Sodilla,
C'est une réunion de travail très positive, côté que tu as des échanges. Et à un certain moment, nous demandons à tout le monde qui pas fait partie de CSPN ou bien pas de sénateur pour te quitter la salle, là, pour nous te parler, n'est-ce pas vrai, des questions de sécurité. Nous connaissons que là, c'est question de sécurité, ce n'est pas bagaille que nous parler en public. Mais garantie comme Kaban aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'exécutif, et plus précisément au niveau du CSPN, nous travaillons pour nous gagner plus de sécurité dans le pays. Nous travaillons pour nous, pour avec sécurité que le pays a gagné, pour nous capables d'attirer les investissements dans le pays. Pour nous suspendre vos terres, pour nous suspendre agresser les gens. C'est l'occasion que m'a profité pour demander chaque Grenadien, chaque Grenadienne, pour collaborer avec la police. Les gens ont des informations pour partager avec la police. Parce que question de sécurité pays, c'est pas question la police seulement, c'est pas question parlement, c'est pas question exécutif, c'est une question qui intéresse nous toutes. Bien sûr, nous-mêmes, nous travaillons très dur et nous avons besoin d'informations pour nous continuer de traquer les bandits. Garantie comme Kabano, c'est que Jean, directeur de la police, dans Dillan, nous avons toute information et très prochainement, nous avons mené tout bandits devant la justice. Okay, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine en tête une délégation qui était la donne ministre affaires sociales et travail là ministre travaux publics transport communication visité pendant dimanche qui se passe là travail qu'a fait sur route Pilate Plaisance là député Pilate là Roms Périlus apprécie importance chef gouvernement baïa travail qu'a fait pendant l'été visité chantier si là reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Grégory Misna. Objectif visite là, c'est pour permettre autorité yoga de finaliser le travail. Yo. Ministre travaux publics, transport, communication, ingénieur Fritz Kayo, fait connaître tronçon route 5 qui mesure 16 km, exige mobilisation divers matériels pour finaliser le travail. Yo. Quantité de matériel, nous avons la fonte multiplier par 20 pour répondre à besoin de la population. Nous comprenons la situation, mais à chaque fois qu'il y a un problème, nous faisons tout ça nous connaît pour nous capables d'alimenter en matériel. Donc, on regarde là, le travail ça pour faire là, besoin là, il faut bien grider, il faut bien rouler, il faut bien camion de l'eau. Donc, premier terrassement, première partie du travail, on l'a fait déjà, mais finaliser les travaux, il faut bien matériel ça. Comme les mandés, nous venons avec Jim, moi-même avec le Premier ministre, nous venons avec besoin qui s'en capable de porter. En termes de matériel. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine expliqué visite ça traduit bonne relation qui gagne entre parlement et exécutif là. Il dit qu'il prend note sur sa zone non besoin pour plus bien orienter travail caravane changement. Son façon pour me dire que le gouvernement travaille pour. Et travail qui est fait là, Jean député en sorti nous tout à l'heure, son gros partenariat qui gagne entre exécutif là et député là. Ensuite, magistrat et puis communauté en tout. C'est nous tous qui mettons tête nous ensemble pour nous qui gens que nous avons la vie meilleure en Haïti. Donc, moi-même, à chaque fois, je ne vais pas beaucoup de dire, je demande des populations pour le mettre ensemble avec nous, pour nous avancer, pour nous avoir notre pays. Député Pilate, là, Worms Périlus, salue intérêt autorité de manifester pour faire pays avancer. D'après parlementaire, à visite ça, témoigner responsabilité dirigeant yo vis-à-vis pays. On commence avec Tavou. Donc nous avons un problème avec quelques matériels et c'est ça qui fait et sans visite ministre. Il vient regarder qui ça nous manque, qui ça nous pas gagné, pour qu'on support pour nous avancer actuellement, pour nous aller plus vite. Et d'ailleurs, on a préparé et fête Sainte-Rose qui a prévu prochainement et nous garantit et population que et d'ici fête là, et nous avons très loin dans les travaux de bétonnage et bien route et la présence. Visite ça, c'est pour permettre chef gouvernement, ouais, et puis comprendre réalité commune. Sayo cap aider le prend plus bonne décision dans intérêt population haïtienne.
Nous avons toujours été dans ce qui est pour avec infrastructure routière pour nous faire connaître réparation route 3e section communale ou moustique dans la commune Bassin Bleu. Démarrer dans le commencement semaine, route Silac a coûté environ 1 600 000 gouttes. Commencer sous initiative député Bassin Bleu, Denis Saint-Fort et puis support technique, ministère Travaux publics, Transport, Communication. Denis Saint-Fort a porté plus d'explications dans ce sens. Moun la gen problèm depi apre siklon Matthew. Son route nationale sans yé pour nous. C'est semi national. Moun yo passe juste pa poison puis entre bord de paix. Moi ça dépend en pile problème. Les cadres à bonne pression, peut pas bonne pression et encore mais vendredi là le 26 là, Tropicana deux trois gojo d'avoir je moustique. Il était fait tenter presque gâté. Là moi ça moi-même, ma collègue président Jovenel, premier ministre la Fontaine. Je m'explique le problème là. Effectivement, vous avez le ministre TPDCA. Il fait diligence pour moi. Là, pour la ministre TPDCA, vous avez le directeur mental là. Docteur Giro. On est qui vraiment intéressant. Je viens de ça dans 3 jours. Je dis à là, il dit d'abord bien l'argent pour gaz, pour me faire le petit frère, bâton. Et c'est bien que nous avons un projet là pour 1 600 000 gouttes. Je vais aller là-bas en gouttes. Ça ne va pas me conseiller là. Pour cela, même je appelle les gens qui veulent aider afin que ce soit comme dans le route, ou soit plus ou moins amélioré. On va d'ici Gal, août là. Parce qu'il y a trois fêtes la PVT. 26 c'est Romoussique. Et 14 c'est Marc. 13 septembre c'est la bourse. Mais problème. On va pour cela même. Parce que les gens qui vont venir là, ils vont essayer de compléter dans le monde. Ils vont compléter dans le même. Pour cela, je dis au gouvernement, merci en pile. Parce que si on va mettre le matériel à disposition, quand ça a l'argent, on ne gagne rien, il n'y a pas de café. Nous avons annoncé dans différents titres, le ministère de la Santé publique lancé mardi 19 juin un document politique national, laboratoire politique, document politique SILA, défini ensemble stratégie gouvernement gagné pour améliorer le système de santé dans le pays. Un projet ça possible grâce à la collaboration Fondation Mérieux avec le financement Union européenne dans le cadre de projet pour structurer le programme Haïti Lab, compte rendu Fernando Fink, Michel Joseph. C'est vrai un moyen pour assurer réglementation secteur laboratoire médical là avec accès permanent service diagnostic biologique yo. D'après ministre santé publique là docteur Marie Gretawa Clément, une bonne politique nationale laboratoire a permettre responsable identifier maladie yo, adopter un choix thérapeutique avec maladie amendée, influencer prix traitement pour mettre malade là en confiance. Un diagnostic biologique fiable permet d'identifier la cause de la maladie et d'adapter le choix thérapeutique pour le rétablissement du patient. Il peut influencer la durée et le coût de la prise en charge et susciter la satisfaction et la confiance des malades dans le système de santé. En outre, les données issues des laboratoires constitue les yeux du ministère. L'identification du choléra après le tremblement de terre de 2010, l'arrivée du virus Zika et la recrudescence récente des cas de diphtérie sont des exemples qui démontrent bien la situation en constante évolution. Nous devons suivre les tendances des maladies et adapter les mesures de riposte pour mieux protéger et prendre en charge notre population. Représentant ambassadeur Union européenne en Haïti, Aniceto Rodriguez Luis, salue action gouvernement pour adoption projet ça qui montrait intérêt Union européenne pour réformer santé à tout niveau dans pays ya, puisque Haïti subit pendant dernière année ça yo en pile épidémie et maladies infectieuses. Nous soutenons aussi d'autres partenaires en faveur des services de santé de qualité, le projet SP Haïti Lab et sa contribution à la définition d'une nouvelle politique de laboratoire sont d'une importance majeure et permettent à l'Union européenne de marquer notre intérêt pour le développement du secteur de la santé ici en Haïti. Nous le savons que trop bien, Haïti paye un lourd tribut face aux maladies infectieuses, mais aussi aux maladies non infectieuses.
Dans ce contexte, un programme contribuant à améliorer la santé de la population par l'analyse et les conseils stratégiques en matière de politique de laboratoire revêt une importance majeure. Les réalisations du programme sont d'ores et déjà nombreuses. Pour directeur laboratoire recherche et épidémiologie, Dr Patrick Dely, projet ça a permis modernisation et puis comprendre le laboratoire dans le système santé. C'est aussi le début d'une nouvelle ère où les principes fondamentaux, l'ensemble des stratégies retenues par le gouvernement d'Haïti pour améliorer les services des laboratoires médicaux du pays sont clairement définis. Cette dernière pourra sans doute révolutionner son approche de la santé publique en Haïti, si l'on accepte bien de consentir les efforts nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre. Projet ça a été lancé dans l'année 2015 pour une durée 5 ans. C'est une idée pour améliorer le système laboratoire dans le pays. La politique nationale laboratoire médical a campé sur universalité, équité, partenariat, éthique, efficacité et orientation client. La bien pour mission améliorer le système santé population, la page sur plusieurs axes parmi eux, gestion information laboratoire, gestion FATRA, amélioration système consommable laboratoire, dispositif légal et réglementaire. N'a pas quitté dossier santé pour nous jambé dans ça qui gagne pour avec dossier éducation pour une fois qu'on a épreuve anticipée français pour élèves nouveau secondaire 3 déroulé mardi 19 juin dans tout pays. D'après responsable dans ministère éducation nationale et formation professionnelle, toute disposition est prise pour capable faciliter bon déroulement examen silayo. Reportage avec Rachel Seyfort. C'est environ 50 000 candidats pour le département de l'Ouest là qui participaient dans l'épreuve anticipée dans le français pour élèves nouveau secondaire 3. D'après le directeur départemental de l'Ouest là, Louis-Fritz Dormainville. Nouveau secondaire, d'après responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle, c'est une nouvelle approche en termes de formation qui peut être une approche par compétence qui est en phase d'expérimentation dans le pays. Gagne nouveau matière tant qu'économie économique créole, éducation artistique et citoyenneté qui entre dans nouveau secondaire. Gagne nouveau secondaire 1, 2, 3 et puis 4. La toute direction départementale, décision de prendre pour administrer examen ça. Mais moi-même qui est dans la direction départementale de l'Ouest, toute disposition de prendre, texte nous prêt depuis samedi et nous. Par le biais des coordonnateurs des districts scolaires, nous atteignons l'école yo, et l'examen ça a fait. Mais sauf que certains districts scolaires sont arrivés en retard, mais de toute façon, les timoun yo composé, je veux dire. Pour qui ça au fond épreuve anticipée? C'est parce que les timoun yo ont un paquet de matières fait tout pendant la période là, pour réduire le nombre de matières que vous pouvez faire dans le secondaire 4 là, ça nous est bac unique là. Donc vous faites une épreuve que vous avez une épreuve anticipée et notre ça y a conservé pour le petit monde l'année prochaine, les mêmes ne va pas le passer l'examen ça. D'après quelques élèves qui ont subi l'épreuve française, examen est dans le niveau. Quelques autres disent examen est facile parce qu'ils ont été préparés. Quelqu'un l'autre qui fait qu'on est examen français n'est pas facile. Examen, bon, il n'est pas trop difficile, mais il faut que tu travailles, il faut que tu aies bien compris, bien lu le texte, il faut que tu aies bien composé tout. Depuis ce examen, j'ai toujours eu l'impression, mais moi j'ai fait un job pour jouer ça parce que moi j'ai travaillé et moi j'ai confiance en tête. Mais qui m'a passé? Pour moi, l'examen n'est pas vraiment comme si paraît difficile. C'était un examen moral. Donc, et ça y a c'est pour capable d'agrandir connaissance. Donc, je pense que ce n'est pas mal pour moi. Bon, par contre, pour certains d'autres élèves, mais pour moi, il n'est pas mal, c'était avec propre morale pour dégager. Responsable fait qu'on est à avancer vers généralisation nouveau secondaire dans le pays. Pendant qu'il a expliqué, il a travaillé pour l'année qui a venu, toute l'école qui peut entrer dans le programme ça, entrer là-dedans. Toujours dans ça qui vient pour avec dossier éducation, directeur départemental de l'Ouest, Louis-Fritz Dormainville, a annoncé à Yéma du 19 juin toute disposition déjà prise pour faciliter l'élève qui prend l'examen baccalauréat dans le département de l'Ouest, joue une fiche. Et l'autre bord, directeur départemental de l'Ouest, a expliqué qu'il a rencontré quelques difficultés à Nessa à cause de quelques directeurs de l'école qui n'ont pas respecté l'échéance. Louis-Fritz Dormainville fait qu'on est dans le nouveau ministère.
il y a un travail pour tout élève qui réunit conditions participer comme ça droit à l'examen l'état. On a pas envie de suivre dans le courage assez fort. C'est pour l'Ouest là, il y a bien fichu là, mais aujourd'hui, parce que nous avons envoyé dans certains districts scolaires, parce que fiche l'Ouest là, nous avons imprimé déjà. Mais nous avons des écoles pour raison, pour diverses raisons. Soit vous avez des dossiers en retard, soit information vous avez pas correcte. Donc ça vient permettre que des petits mouns qui va valider. Tout comme tout, des petits mouns qui vont être inscrits tout même tout. Il y a des fautes qui sont imputables à tout. Nous sommes rencontrés là, en temps avec eux, nous prenons un dossier qui est bon, et puis pour nous-mêmes, nous faisons suite. Parce que qui ça ministre veut, et ça nous voulait tout, des conseils ministres tout, que si tout le monde réunit les conditions pour le composer, il n'y a pas de droit pour le composer. Et c'est ça que nous avons fait là. Maintenant, nous avons près de 52 700 fiches pour candidats. 52 700 candidats fiches, ça a été imprimé. Et je dis, la distribution a commencé. Quand ça a eu, on a pris un dossier là, on a traité au soir, on a traité au demain, et ça qui réunit conditions pour l'examen, pour que vous-même vous une fiche pour l'examen. Pour qu'on y ait un peu qui était niveau secondaire là pour nous monter un petit classe, puis on a niveau enseignement supérieur là pour une fois qu'on a mardi 19 juin on fait faculté sciences humaines 44 l'année depuis l'existé dans l'université de l'État d'Haïti. Dans l'occasion 44e anniversaire, c'est là étudiant faculté à coordination faculté, c'est là et puis rectorat université de l'État organisé une série d'activités pour être capable de marquer journée, c'est là. Je n'ai pas cassé ça que Fresnel tout ça te fait copier à dire. Fondée dans l'année 1974, Sciences humaines, c'est cette faculté dans l'Université de l'État d'Haïti qui recevra deux nouveaux promotions chaque année. Pour chaque promotion, la faculté est capable de prendre environ 150 étudiants. Il y a un département psychologie, communication sociale, service social, sociologie et un programme maîtrise dans la population et développement. Dans l'occasion 44e année existence, responsable faculté a organisé une série d'activités. Parmi eux, il y a un journée chita pali entre professeurs, responsables université d'État et étudiants. Pour moi, c'est un grand jour et je suis content parce que auparavant, généralement, les télévisions ou bien radio, ils sont venus là, ils sont venus pour venir prendre ça qui n'a pas marché, mais je dis à eux venir parce qu'ils ont des choses qui sont bonnes à faire. Donc ça a vraiment fait plaisir parce que je dis à nous avons 44 ans et je pense que la faculté a bradé sur une bonne voie. Nous sommes étudiants en sciences humaines, je dis à eux venir en séance, c'est la première fois que sciences humaines a célébré l'anniversaire. Vous voyez, moi, je suis entré ici à l'année 2000-2002. Je dis en 2018, ça fait quand même beaucoup de temps. C'est pour dire que c'est pour moi-même un fait très significatif le fait que je dis à commémorer le 44e anniversaire. Là. Bien évidemment, nous avons une situation extrêmement difficile. L'université a sorti dans un carrefour extrêmement difficile. Il y a encore un carrefour, étant donné qu'il y a un pile de problèmes qui posent qui peuvent rejoindre une solution. Il y a sciences humaines aussi fait sauter dans la même situation en tout, fait passer près de un an fermé. Donc nous renouvrons la PC et regarder dans quelle mesure nous sommes capables de continuer à fonctionner. C'est pour dire que l'anniversaire a venu dans un moment extrêmement difficile, mais tout au moins significatif pour dire que nous comptons côté nous sortir, nous comptons côté nous pour aller. Malgré mauvais moments et difficultés, faculté a fait face. Sciences humaines toujours été une référence dans le domaine études d'études en Haïti, selon vice-recteur recherche dans UEH, là, Jacques Blaise. C'est d'abord une joie pour nous apprécier quand même une institution, qui, une entité qui est dans l'université, qui traversait toute année ça, 44 ans, avec toutes les difficultés que nous connaissons, qui était debout, qui a continué le combat. Je pense que c'est à apprécier. Et pendant ces 44 ans, pour lui exister, entité ça, il connaît de bons, il connaît de mauvais moments. Mais ce qui est important, c'est l'offre fait bilan, c'est que ou camper debout, ou capable d'apprécier son effet qui est bon, et ou capable de porter les corrections nécessaires, ou essayer, ou qui façon que nous sommes capables de faire pour nous pérenniser entité âme, parce que c'était un moment de pause extrêmement important. Jouer un plus bon local pour suivre cours. Permettre étudiants au gain d'autres à laboratoire pour faire recherche, c'est sûr quelques étudiants faibles. Dans l'occasion 44e anniversaire, faculté sciences humaines. Voilà, c'est avec dernière information ça que journal Akaba pour jeudi mercredi 20 juin 2018 là. Mais juste avant nous aller, nous rappelons un point qui défait essentiel le journal là pour matin. Commission justice dans le Sénat République l'a rencontré mardi 19 juin, membre du Conseil supérieur police nationale. Question sécurité, tenant une discussion.
Ministère de la Santé publique et la population a lancé toujours, jeudi 19 juin, un document politique national laboratoire. Document cela a défini stratégie gouvernement pour améliorer le système de santé dans le pays. Épreuve anticipée français pour élèves nouveau secondaire 3 déroulement du 19 juin dans tout le pays. Toute disposition te prend pour faciliter bon déroulement examen si là. Toujours à l'échelle nationale, mardi 19 juin fait faculté sciences humaines 44 années depuis qu'il existait dans l'Université de l'État d'Haïti. À l'occasion, étudiants et responsables faculté et puis rectorat de l'Université de l'État organisé une série d'activités pour être capable de marquer journée si là. Voilà, c'est un simple point. Ça va quand pilote qui te fait si c'est le journal là pour jeudi mercredi. On a pas souhaité tout le monde une excellente journée. Mais après, c'est rendez-vous pour une prochaine sortie télé-journal. Mais on a invité à rester sur la chaîne pour suivre la programmation. Bonne journée à tous.